En effet, les choses ont changé. Regardez, la police vient d'arriver. C'est très intéressant. Tout à l'heure, ce que ces jeunes faisaient, ceux qui n'ont pas vu le short, il y a un short de 60 secondes que j'ai filmé là. Allez voir ça. Les jeunes étaient sur la voiture en train de sauter. Tout était pris dans le short. Tous les détails. Et là, bizarrement, la police vient d'arriver. Ça, c'est un détail auquel je ne m'attendais pas. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors, si on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Donc, ce qu'on va faire, je vais tourner la caméra vite fait parce que les choses peuvent changer entre-temps et en effet, les choses ont changé. Regardez, la police vient d'arriver. C'est très intéressant. Tout à l'heure, ce que ces jeunes faisaient, ceux qui n'ont pas vu le short, il y a un short de 60 secondes que j'ai filmé là. Allez voir ça. Les jeunes étaient sur la voiture en train de sauter. Tout était pris dans le short. Tous les détails. Et là, bizarrement, la police vient d'arriver. Ça, c'est un détail auquel je ne m'attendais pas. Bon, ils sont en train de repartir. Donc, espérons que ce n'est rien de grave. Hein. Je ne voulais pas être en train d'enregistrer quelque chose de direct là, les choses bizarres que vous voyez souvent dans les films. La police est partie. Waouh. Ok. Bon, ça relaxe un peu les choses, quoi. Les jeunes que vous avez vus tout à l'heure là, c'est moi zoomé. Je ne sais pas si c'est des stars ou quoi que ce soit, parce qu'il y a un moment où il y avait des gens autour d'eux hein, qui prenaient les photos, qui prenaient les vidéos. Là, ils vont partir, ils sont entrés dans la voiture. Ils vont partir. Mais j'ai vu des gens s'approcher, prendre des photos. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on prend des photos à tout prix de toi que tu es une star. Hein. Les gens peuvent aussi se dire, surtout s'ils ne savent pas. Même s'ils ont payé pour la photo d'abord, après ils vont voir qui est vraiment derrière la photo. Donc, ce qui s'est passé tout à l'heure, pour résumer un peu, le temps que la voiture parte ou que les conversations s'arrêtent là, c'est que j'étais en pleine pause et souvent je viens regarder à travers la fenêtre parce que la vue est très belle. Hein. On a vraiment la vue des gratte-ciels de Manhattan. Regardez tout en haut là. Je suis en plein cœur de Manhattan. Bon, je viens parfois regarder, il y a beaucoup de touristes qui passent. Bon, vous savez que New York également, c'est la ville où les gens sont souvent waouh. Donc, c'est souvent une très belle énergie qui est dégagée. Donc, quand je suis fatiguée, comme je regarde par la fenêtre, même à 1 h, si je suis ici à 1 h du matin, je travaille, il y a toujours des touristes, hein, toujours. Et quand je regarde comme ça, en même temps, mes yeux vont sur la voiture là, qui est sur le point de partir, je vois des jeunes sauter. Il y a d'abord un qui sautait, puis un deuxième qui est venu rejoindre sauter. Et il y a un autre qui était en capuche, parce que les deux qui sautaient n'étaient pas en capuche, ils étaient en noir, si je ne me trompe pas. Il y a donc un troisième qui s'assoit devant le capot, là devant le capot de la voiture, et se met à faire les mouvements des noirs américains, là, là, yo, 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 à faire leur show. Je regarde et je dis, mais est-ce que les gars là sont sérieux? Parce que dans les films américains qu'on voit ça, bon, pas film plutôt, mais dans les clips américains qu'on voit ça, vous savez, il y a ce qu'on voit dans le clip américain, il y a maintenant la réalité là. Parce que dans le clip américain, là, il peut faire toutes les folies, tous les. Je ne sais pas trop quoi. Mon éditeur américain, celui qui me fait souvent les vidéos d'excellente qualité que vous voyez ici, lui travaille justement avec les rappeurs et les trucs, ça parfois il me rapporte des choses, c'est fou, hein. Une bonne partie des clips que vous voyez à la télévision, les rappeurs, c'est lui qui est derrière l'édition de leurs vidéos. Donc il me raconte des choses de fou. Moi, je lui dis, bon, quand ça se passe, je me dis, bon, c'est dans la vidéo, donc c'est normal, il n'y a pas de problème. Maintenant, en réalité, là, c'est autre chose. Donc je regarde, il y a les gens qui viennent s'arrêter, qui prennent des photos et tout, et puis les gars font les yo, yo, yo. Allez voir le short là, de 60 secondes, 59-60 secondes que j'ai pris, j'ai fait. Vous allez mieux comprendre, parce que là je suis arrivée à la fin, surtout comme la police est venue, et vu qu'ils ne voulaient pas de problème, bon ils sont partis, hein. Ils sont partis. Bon là aussi c'est un exemple que on ne tire pas sur des noirs comme des lapins ici, hein. Mais ça arrive par contre, si on doit parler du quota, ça arrive. Les voilà, qui sont partis. Bon, je tourne la caméra vers moi. Donc, je vois ça. La première impression, laissez-moi arranger le zoom. Donc, la première impression que j'ai, je dis que mais ça me fait déjà un déjà vu. Le genre de scène qu'on a déjà vu dans le passé. Et quand il dit de scène, là, ça me ramène plus en Afrique. Mais au lieu de faire les yo-yo, bon, certains d'entre nous, on fait les yo-yo. C'est plus secouer les reins, bouger les reins. Il y a les gens autour, les gens qui applaudissent. Oh, yeah! Oh, vous connaissez. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Si vous faites comme si vous ne connaissez pas, ça veut dire que vous ne voulez pas juste avouer. Secouer les reins, bouger les doigts. Moi, j'aime la musique américaine, la noire américaine, sous le genre de musique qui te pompe pop et tout là, ça c'est clair. Mais maintenant qu'on se rend compte que c'est un truc qui est généralisé, généralisé, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Je suis allée en Chine récemment, ça fait moins d'un mois et demi, un peu moins de 2 mois. J'ai fait plusieurs semaines là-bas, plusieurs semaines. Je n'ai jamais vu des jeunes s'enjailler.
C'est toujours des jeunes qui font tourner leur cerveau. Et même qu'ils s'enjaillent, c'est plus une sorte d'amusement éducatif. Vous voyez, c'est un amusement vraiment éducatif dans la mesure où c'est comme s'ils doivent apprendre quelque chose. C'est comme s'ils doivent sortir de là plus intelligents, plus forts. Mais bon, je ne sais pas si c'est les noirs en général, hein, ou bien ceux qui ont un peu de sang noir. Parce que même les latinos, là, vous savez, ils sont beaucoup mixés. Hein. Même ils sont dans le soco les fesses, hein. Soco les reins. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Maintenant, attention, il ne faut pas que je fasse une caricature de ça. Parce que beaucoup savent que les noirs américains, beaucoup le savent, que les noirs américains se retroussent les manches. Le Black America, il y a de cela 20 ans, n'a pratiquement rien à voir avec Black America d'aujourd'hui. De plus en plus de jeunes s'éduquent, de plus en plus de jeunes deviennent des docteurs, des avocats, des hommes d'affaires, de succès. Donc ils avancent. Mais ce genre d'attitude aussi, ce n'est pas non plus le genre d'attitude qui est rare. Ça, je vais vous le dire. C'est peut-être dans 15 ans ou 20 ans, on aura des noirs américains. Ou, bon, je ne dirais pas qu'ils ne vont plus faire la musique, parce que vous savez que la culture américaine, c'est la culture noire. Que ce soit la musique, les films, c'est la culture noire à la base. Donc c'est quelque chose qui domine. Et quand on dit que l'Amérique domine, les États-Unis dominent le monde par rapport à la culture, c'est l'Amérique noire, Black America, qui le fait. Donc moi je vois ça, la leçon d'ailleurs c'est quoi? C'est que nous ne nous rendons pas souvent compte de l'importance de nos choix. On ne le fait pas du tout. On ne se rend pas compte que le succès, c'est une succession de choix. C'est juste ça. Je suis là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends mon téléphone? Je vais sur Netflix? Je regarde un bon film qui va me prendre 2 heures de temps? Ou est-ce qu'avec le même téléphone, je vais sur YouTube m'éduquer? Ok? C'est le même téléphone. Hein? C'est deux actions différentes. Deux actions différentes, deux conséquences différentes. Le temps que toi tu passes le temps à regarder le film, moi je bosse. Le temps que toi tu passes le temps à dormir, moi je bosse. Le temps que tu passes le temps à ce qu'on appelle mingle, tu sors, vous allez faire la fête et tout. Moi, je bosse. Et même les rares fois que je sors, je fais la fête, je bosse. Parce que souvent, c'est dans le networking. Je suis sortie plusieurs fois en Côte d'Ivoire. J'ai vu plusieurs fois des abonnés. Mais c'est pas moi, j'étais là pour bosser. J'étais là pour bosser. Faire le networking, rencontrer des personnes clés. Les directeurs de grosses entreprises, les CEO. Vous n'avez même pas idée. Je bosse. Je suis en mode sexy et tout là, mais je bosse. Parce que si je pars de cette fête ou de cette soirée, sans une ou deux cartes d'affaires clés, c'est l'échec total pour moi. C'est une perte de temps. Je bosse. Il faut faire attention par rapport au choix qu'on fait de notre temps. Le temps, c'est la commodité la plus importante sur Terre. Vous pouvez devenir aussi riche que vous voulez. Vous pouvez avoir autant d'argent que vous voulez. Je dis que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que vous avez une stratégie. Vous lancez un business dont le besoin est élevé. Vous pouvez avoir autant d'argent que vous voulez. Mais vous savez quoi? Vous ne pouvez pas avoir autant de temps que vous voulez. C'est impossible. 24 heures par jour. Et chaque jour qui passe, c'est un jour qui soit nous rapproche de nos objectifs, soit nous éloigne de nos objectifs. Donc, quand vous allez secouer les fesses, faire les machins, trucs, c'est quoi ton objectif derrière? La joie? Nous, on n'est pas joyeux. Ah, vous pensez que nous, on n'est pas joyeux? On est encore même plus joyeux parce qu'on a plus d'impact. C'est quoi? Influencer les petites, se faire remarquer, mais ça nous amène où tout ça? Et ma famille me connaît pour ça, c'est pour ça que parfois on fait très attention au contenu qu'on envoie. Je dis souvent ceci, et même les critiques, vous avez remarqué souvent que je ne réponds jamais aux critiques. Mais depuis que je suis internet, là, vous pensez que je suis parfaite, je n'ai pas les critiques et les ceci. Je n'ai pas le temps de ça. Si ce avec quoi je flirte, ce que je rencontre, si ça ne fait pas une de ces trois choses, écoutez-moi bien. Une de ces trois choses, je mets de côté. Si ça ne me rend pas plus intelligente, si ça ne me rend pas plus sage et plus riche. Vous m'avez entendu, oh? Une de ces trois choses, si ça ne me rend pas plus intelligente, plus sage et plus riche, je mets de côté. Donc, les gens qui ont par exemple la critique facile et tout là, ça... Les gars, il faut être fort dans la tête. Il faut même déjà avoir des objectifs. Je pense que la plupart d'entre nous n'avons même pas d'objectifs. La plupart, c'est comme si on était parachuté sur terre. Prap, on est là. Bon, là, maintenant, tu es sur terre, tu fais quoi? Tu es venu par hasard? Dieu était fou de t'envoyer sur terre. C'est quoi ta mission? Une fois que tu sais c'est quoi ta mission, ou tu t'assignes une mission, tu restes concentré. Concentré. Que tu sois panafricain, que tu sois quelqu'un qui aime sa famille, quelqu'un qui veut réussir. Une fois que tu sais c'est quoi tes objectifs, tu fais les bons choix.
N'oubliez jamais, le succès est une succession de choix. Ceux qui font les mauvais choix là, se retrouvent au village si je savais. Ceux qui font les bons choix, il n'y en a pas beaucoup. Parce que comme je l'ai dit, soit prends ton téléphone pour aller sur TikTok ou Netflix, ou prends ton téléphone pour regarder une vidéo comme celle-ci sur YouTube. 95% vont choisir le divertissement. 95% vont choisir aller secouer les fesses ou faire les yo-yo-yo là en route parce que it's fun. C'est fun, mais ça t'apporte quoi? Est-ce que ça va te rendre plus riche? Ça va te rendre plus intelligent, plus sage, que sais-je? Ça t'apporte quoi? Là est la question. Et beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Voilà les gars, je lance ce genre de vidéo improvisée. Je ne m'attendais vraiment pas à la faire. À vrai dire, aujourd'hui, je ne devais même pas sortir de vidéo. J'étais très concentrée sur la réorganisation de 2024. Je suis allée dans la planification. Pour vous dire, je suis allée dans la planification de 2024. On est seulement en novembre. Beaucoup vont attendre la dernière semaine de décembre. Ou bien le « Bonne année !» Hey, après quand on a fait la fête, on s'assoit. Oh, nouvelle année. Nouvelle année, nouveau goal, nouveaux objectifs. Yeah, nouvelle réussite, je vais réussir cette année. Non, non. La journée de demain se prépare la veille. L'année prochaine se prépare maintenant. C'est pas quand vous serez déjà en 2024, vous allez commencer à faire les choses. Ou bien, posons-nous les bonnes questions. Mais surtout, posons les bonnes actions. Je l'ai dit et je le répète encore. C'est ça qui va faire la différence. Si ce que tu fais ne te rend pas plus intelligent, ma belle subie, plus sage, moi-même la sagesse, c'est le top des trois. Plus sage ou plus riche là, il faut laisser. C'est pour les autres. Laisse le 95% ne pas suivre cette règle. Non, là, c'est pour les autres. Quant à toi, reste concentré. Ok? Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. On me dit que 11% des gens qui suivent les vidéos sont abonnés. 11%. En d'autres termes, si on a 89% qui ne sont pas abonnés, vous imaginez, la chaîne aurait déjà dû dépasser 1,8 million d'abonnés. Vous trouvez ça normal? Hein, les gars? Faites le bon choix. Abonnez-vous. C'est gratuit. Voilà, on se voit à la prochaine vidéo, ok? Peace out.